Mike Louvilla au sortir de son showcase. Ouais. Au Cariatide, Mike et l'équipe. Non, mais non. 16 000 albums en deux jours. Ouais, 16 000. Deux jours à 16 000. Imagine. Présenter tes collègues, s'il te plaît. Des acolytes, je sais pas moi. T'entends JP Groove. Tes compagnons. L'homme qui tient le groove, tu vois. Ok. On essaie, on est là, tranquille, la famille. Ok. Je suis le bassiste. Le bassiste. Ok. Déchire. De toute façon, on a fait des tueurs dans ma tête. Bassiste. Oh oui, voilà. Bah voilà, après il continue la présentation. Christopher, très bon batteur. Mmh. Très bon batteur. Mmh. Batteur de tout en fait. Très légion. Et toi, c'est Claudion, El Maestro, la pianiste. Yeah!
Et comment vous vous êtes connus tous? Aïe. Bah oula, ça fait un moment quand même. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans. Ouais, moi je le connaissais un peu d'avant. Ouais, on s'est connus par rapport à ce qu'on ouais, à l'époque, 2008-2009. Ouais. On a joué ensemble à Monaco, tous ensemble, et on a fait pendant 2 ans, c'est ça. Ouais, donc voilà, c'était ça. Donc voilà. D'accord. Ouais, de fin 2009 jusqu'à juin 2011. Très bien. Merci. Et ça a été très merci enrichissant, je suppose. Ouais, hein, Monaco, il paye bien. La salle ce soir, super super interactif, super public. Ouais, ouais. Enfin, t'as des nouvelles groupies, je pense. Là, it's weird, you love me. Oh, thank you. Oh, you love me. Oh, baby. Tu vas animer un atelier. Oui, un atelier à la factory, exactement. Un atelier de saut. On n'est pas invité. Non, toi t'es pas invité. Toi tu prends la porte, même s'il n'y en a pas. Non, tu prends la... Oui, exactement, un atelier de saut où on va chanter la soul, on va voir les classiques de la soul, et puis ceux qui font vraiment la soul, voilà quoi, c'est un échange, hein, donc on va prendre un échange. En tout cas, j'ai hâte de commencer. Même eu la chance de pouvoir faire l'équerre avec Mike Louvilla comme c'est ça. Vrai. Comment ça s'est passé? J'ai pas compris en fait. Bah on assistait à sa répétition et pendant qu'il répétait le titre de Maxwell, ouais. Je me suis mise à chanter en même temps que les musiciens et il est passé, il m'a dit ah, bah tu connais bah bien alors. D'accord. Tu feras les chœurs parce qu'à la base il était censé ne pas avoir de chœur. D'accord. C'est fait comme ça sur. Sur le moment. Sur le moment. Très bien, très bien. Mais donc, par rapport à ce que tu me dis sur le moment,
t'as venu à la Factory pour chanter et tout, c'est pas quelque chose que t'as fait comme ça, c'est pas sur un déclic, si ? Non, je... Ça a été mûrement réfléchi, je veux dire, ou... Ah, je connais la Factory depuis 4 jours. D'accord, ok. Donc je suis venue lundi, on m'a dit de venir jeudi, et je suis venue jeudi. D'accord. Je me suis lancée. Là-bas, je suis quelqu'un de très timide, donc j'essaie de combattre un petit peu ça. Et là, d'accord. T'avais déjà suivi des cours de chant ? Je n'ai jamais suivi de cours de chant. Tu chantes toute seule dans ta salle de bain ? Je suis une danseuse, une chanteuse de douche, ouais. C'est quoi alors de Mike Louvilla? Mais non, on est fans. Ouais. On est fans avant, on est encore plus maintenant. On aime beaucoup la R&B alors. Ouais. Ouais, voilà. Quand c'est Mike qui le chante, on aime encore plus la R&B. Voilà. D'accord. Des grands classiques comme ça. Okay. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez fait le bon choix en fait au niveau de l'atelier? Vous avez choisi l'atelier de Mike? Non, mais. Ouais. Ouais. Définitivement. Définitivement. Ah non mais ouais. D'accord. On savait déjà avant. Ouais. On a eu un tour avec lui. Ouais. Alors oui, non, moi c'est pas Mike que j'ai choisi. Désolé Mike. Mais bientôt je te choisirai. Quand d'accord. J'aurai le niveau.